Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie d'être venus nombreux pour cette nouvelle étape du Mois Montaigne. Merci aussi à la librairie Mola qui nous accueille pour la deuxième fois de ce mois. Donc aujourd'hui, dans cette dernière semaine du Mois Montaigne, la librairie Mola nous a proposé une rencontre avec Dominique Branchet. J'ai trouvé que c'était une bonne suggestion, que ça manquait un peu à ce programme, un moment où on puisse davantage faire connaissance avec l'invité du Mois Montaigne. Donc, je vous rappelle juste que le Mois Montaigne est une initiative de l'Université Bordeaux-Montaigne qui se propose d'inviter chaque année pendant un mois à résider à Bordeaux une personnalité qui travaille sur Montaigne ou pour qui Montaigne est important dans ses travaux. Et cette année, nous avons donc invité Dominique Branchet, qui est professeur de littérature à l'université de Bâle, à nous guider un peu dans ce thème de Montaigne et le corps, la médecine. Et cette rencontre ce soir va nous permettre un petit peu de comprendre pourquoi, comment Dominique Branchet en est arrivé à ces thématiques et comment elle a rencontré Montaigne, qui est devenu central dans ses travaux. Donc je la remercie une fois de plus de l'engagement qu'elle a pris dans ce mois. Et je vais lui poser quelques questions d'abord un petit peu de biographie de chercheur pour voir un petit peu d'où comment elle a évolué dans ses travaux, d'où vient l'intérêt pour la littérature de la Renaissance, etc. Et puis ensuite on parcourra un petit peu ses travaux récents avant de découvrir le livre qu'elle prépare sur Montaigne. Donc, tout d'abord, Dominique, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre parcours ? D'où venez-vous et comment est-ce que vous avez choisi ce terrain d'enquête, la littérature française de la Renaissance ? Alors, je suis Suissesse, née à Genève d'une mère berlinoise et d'un père pour moitié italien. Contrairement aux apparences, mon nom branché est italien. Et c'est peut-être ce nom qui me rend particulièrement sensible à un passage de l'apologie de ce bon dans les essais de Montaigne. C'est le fameux passage où il parle de la torpille et de ce qu'il a. Enfin, j'ai pas résisté au plaisir de montrer une représentation de la torpille. Il parle de cette torpille qui possède une force merveilleuse, celle d'endormir la main qui la touche. Donc, en quelque sorte, il décrit le phénomène de l'électricité avant Benjamin Franklin. Et je trouve que ce passage, il est particulièrement représentatif de Montaigne parce qu'on peut y entendre aussi sans doute un écho à un texte de Platon qui s'appelle le Ménon, où Platon décrit la puissance du discours de Socrate à la puissance de la torpille. Torpille, ça vient de torpedo, ce qui engourdit, ce qui communique un état d'incertitude philosophique. Et je suis assez tentée de voir les essais de Montaigne comme des formes de torpille qui nous mettent dans un état de suspens, pas dans un sens négatif, mais qui engourdissent notre présomption à vouloir donner des réponses à tout. Alors, très rapidement, moi, j'ai fait des études de lettres à Genève. J'ai étudié donc la littérature française et le grec ancien. Et c'est cet intérêt pour l'Antiquité qui m'a, en fait, conduite à me focaliser sur la période de la Renaissance. La lecture de Montaigne m'a aussi inspirée à choisir cette voie. Et je crois qu'il y a une rencontre importante avec Michel Jeanneret, non ? Alors, tout à fait. Michel Jeanneret a été à la fois le directeur d'une première thèse et d'une deuxième thèse d'habilitation. Donc, je tiens tout particulièrement à lui rendre hommage, puisque Michel nous a quittés il y a peu. Et il a joué évidemment un rôle déterminant dans mon parcours. Nous ne travaillons pas. Pas de la même manière, mais c'est quelqu'un qui a su me donner confiance dans, disons, des voies d'exploration qui n'étaient pas forcément les siennes, et je lui suis extrêmement reconnaissante. Est-ce que vous pourriez juste en quelques mots nous dire pourquoi c'est un chercheur intéressant et qui vous a suscité une certaine vocation chez vous ?
Alors d'abord, c'est quelqu'un qui a le goût des mots. Qu'est-ce qu'il fait ? Enfin, qu'est-ce qu'il a fait ? Parce que tout le monde ne le connaît pas. Ah oui, bien sûr. En fait, il a un parcours étonnant parce que son père était pasteur et était poète d'ailleurs. Et donc, Michel Jeanneret a fait sa thèse sur la poésie religieuse. Et en fait, de ce point de départ, il s'est petit à petit éloigné d'abord vers le péché de gourmandise avec un ouvrage qui s'appelle « Des mets et des mots ». Ensuite, avec Eros Rebelle, il s'est tourné vers la littérature libertine du XVIIe siècle. Et son dernier livre s'intitule « J'aime ta joie parce qu'elle est folle ». Donc, je trouve que c'est un parcours assez intéressant, hein, d'une forme de rigidité protestante à finalement une ouverture vers les textes qui célèbrent les passions du corps et des sens. Et donc, alors, à Bâle, vous avez trouvé un peu le lieu d'élection de vos travaux. Oui, alors, bon, Bâle, c'est un berceau de la culture humaniste. Enfin, je pense que tout le monde connaît le nom de Paracelse, hein, qui a enseigné à Bâle, qui a aussi brûlé les livres de Galien et d'Hippocrate, hein, en revendiquant poser les fondements d'une nouvelle médecine. C'est là aussi que Erasme a collaboré beaucoup avec Froben, hein, pour publier des livres importants. C'est là que Vézal a publié sa fameuse Fabrique du corps humain, un grand ouvrage d'anatomie. Et donc pour moi, c'est un lieu idéal pour dialoguer avec d'autres disciplines, parce que bon, je pense que ce qui caractérise mon travail, c'est vraiment une pratique intense de la pluridisciplinarité, ce qui me permet de renouer en quelque sorte avec le mode de fonctionnement de la culture renaissante où le partage des styles et des savoirs n'existait pas. Hein. Un médecin au XVIe siècle, il passe par la faculté des arts, il a des livres de Cicéron, des poètes dans sa bibliothèque, et c'est évident que quand on lit des traités botaniques ou médicaux du XVIe siècle, on peut être frappé de voir à quel point ils vont solliciter Rabelais, Marguerite de Navarre, etc. Alors comment vous définiriez vos domaines de recherche ? Alors, bon, je dirais que, disons, mon premier axe de recherche très important, c'est l'histoire et les enjeux des relations entre des œuvres considérées comme littéraires et différents savoirs. Je dis considérées comme littéraires parce que le mot littérature, en fait, ne signifie pas du tout la même chose au XVIe siècle qu'aujourd'hui. Hein. Ce qu'on appelle les res literaria, ce sont des textes d'érudition. Et donc ce travail, ce type de croisement a suscité beaucoup d'attention ces dernières années. Hein. Vous savez peut-être que les medical humanities représentent un courant très important, c'est-à-dire l'idée que dans les facultés de médecine, eh bien, on va sensibiliser les étudiants à la littérature. Enfin, on va essayer un petit peu de lutter contre ce que Percy Snow, dans une conférence de 1950, appelait la double culture. Hein, ce partage entre les belles-lettres d'un côté, puis les sciences de l'autre, qui a été, sanctionné au XIXe siècle. Donc, je dirais que mon travail consiste un petit peu à discuter ce partage qui me semble anachronique entre médecine et littérature. Alors, Je le fais en essayant de montrer en fait que les techniques d'écriture des textes de médecine ne sont pas si différentes de celles des textes qu'on va plutôt ranger du côté de la littérature. Et un autre aspect de mes recherches qui est peut-être plus original, c'est de montrer inversement l'impact des formes énonciatives médicales, par exemple, sur d'autres genres discursifs, et notamment l'écriture de la subjectivité. Et ça nous ramène à Montaigne, parce qu'il faut bien voir que Montaigne est un lettré, il possède une grande bibliothèque, et il s'imbibe autant d'eau minérale que de traités de médecine. Quand il fait son autoportrait dans l'essai de l'expérience, eh bien, il traverse vraiment les catégories des régimes de vie. On peut aussi trouver des termes extrêmement techniques dans les essais, hein, des termes de médecine, hein, j'en ai relevé quelques-uns, hyposphragma, hydrophobie. Ou alors l'idée de Montaigne qu'il faut laisser faire la maladie, en fait c'est une idée qui vient d'Hippocrate, hein, le grand médecin de l'Antiquité grecque. Donc en quelque sorte, il ne peut se dire qu'en sollicitant l'appareil conceptuel de la médecine. Hein. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de proposer un autre discours,
mais de se réapproprier les lieux communs d'une tradition médicale qui est elle-même conflictuelle. Et je rappelle que, notamment, dans la médecine du XVIe siècle, il y a vraiment, on peut considérer que la théorie médicale propose une anthropologie qui lui est propre, c'est-à-dire une théorie de l'homme, qui met beaucoup l'accent sur l'idée d'individualité. Hein, l'individualité, c'est ce qui est déterminé par notre tempérament, hein, ce fameux équilibre des humeurs, hein, bile jaune, bile noire, le sang, le flegme, hein, comment ces différentes humeurs circulent en nous et s'agencent. Et ça, ça permet justement de déterminer quelle est la singularité d'un personnage. Et Montaigne dit, des essais, que je veux suivre le progrès de mes humeurs. Et par ailleurs, la mobilité des humeurs, c'est pas une idée qui vient de Montaigne, c'est une idée qui vient de la médecine. Hein. Quelqu'un comme Ambroise Paré va dire, d'heure en heure, nos humeurs changent. L'originalité de Montaigne, c'est plutôt de dire, je ne fonde pas mon état de santé sur l'équilibre de mes humeurs, mais sur autre chose, sur la lucidité de mon esprit critique, par exemple. Et les maladies ont du bon pour Montaigne. Alors, avant d'en revenir à Montaigne, peut-être, on pourrait peut-être parler des deux livres que vous avez fait paraître en 2015 et qui sont très représentatifs de vos travaux, hein, où on voit bien comment vous avez cherché à donner une forme, hein, à cet intérêt double pour la littérature et pour la médecine. Donc, le premier ouvrage, c'est celui-ci. Qui s'appelle donc Équivoque de la pudeur, fabrique d'une passion à la Renaissance. Et le deuxième, ça doit être celui, oui, c'est sur la botanique. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler d'abord de ce premier ouvrage sur les équivoques de la pudeur, sur la notion de pudeur qui rassemble à la fois des recherches que vous avez menées dans votre thèse de doctorat et dans l'espèce de deuxième thèse qui est demandée pour l'accession au poste de professeur. Alors, ce livre sur les équivoques de la pudeur, ça constitue un bon exemple de ma démarche, de mon ouverture à la fois à l'anthropologie historique et culturelle, mais aussi à l'histoire des passions, ce qu'on appellerait aujourd'hui émotion, mais qu'on appelait alors histoire des passions, puisque la pudeur, depuis Aristote, est considérée comme une passion. Et donc, pour moi, dans ce livre, je voulais, alors, d'une part, dégager la pudeur d'une approche naïve, pour souligner vraiment l'ambiguïté de cette passion. Qu'est-ce que vous appelez une approche naïve de la pudeur ? De penser que la pudeur va obligatoirement jouer un rôle protecteur. Pour moi, la pudeur comporte son propre détournement, en fait. C'est-à-dire que c'est un mécanisme duplice qui se retourne contre lui-même, et qui débouche sur une forme d'impudeur. Et à cet égard, Montaigne a joué un rôle tout à fait fondamental dans ma recherche, parce que, si vous avez lu l'essai fascinant « Sur des vers de Virgile », qui est l'essai de Montaigne, qui traite le plus massivement de sexualité. Et puis bon, ce mot aussi, je le mets entre guillemets, parce que même le mot « sexualité », finalement, est un concept qui a été finalement fixé dans la langue en 1924, au XVIe siècle. On va parler alors soit des jeux de Vénus ou alors de procréation, parce que bon. Mais donc sur des vers de Virgile, c'est un essai que le protestant Simon Goulard, dans l'édition genevoise des essais, va prendre soin de supprimer. On sait qu'il y a des exemplaires de couvent qui suppriment aussi cet essai. Et Montaigne va y célébrer deux poètes, Lucrèce et Virgile, deux traités, comme il le dit, réservément et discrètement de la lasciveté, ce qui est, selon Montaigne, une manière de la découvrir et éclairer de plus près, et même de nous acheminer à en penser plus qu'il y en a. Donc, si vous voulez, il y a toute cette idée d'un érotisme du langage voilé, que d'ailleurs l'écriture de Montaigne met en œuvre, parce que c'est aussi bien sur des vers de Virgile et à la manière des vers de Virgile. Et avec cette idée, au fond, Montaigne ravive un paradoxe qui était cultivé dès l'Antiquité, et c'est ce que Pierre Bayle, à la fin du XVIIe siècle, appellera le grand paradoxe, l'idée que les termes les plus honnêtes salissent aussi bien l'imagination que les termes les plus grossiers. Erasme aussi le dit, une métaphore peut être plus obscène que le mot propre. Donc, pour
répondre à votre question, ce que je voulais montrer, c'est que la pudeur, au fond, c'est une ruse du plaisir et qu'elle consiste à érotiser le monde, à éveiller le désir plutôt que le suspendre. Hein. Et c'est donc pour ça que je parlais des équivoques de la pudeur. Surtout à un moment où finalement on va passer du public extrêmement défini du manuscrit au public beaucoup plus large, indéfinissable et par définition incontrôlable du livre imprimé. Alors ce n'est pas du tout une manière de dire qu'il n'y a pas eu des formes de censure, hein. Qui ont existé au XVIe siècle. On connaît, par exemple, la naissance des fameux index, mais cette censure ne signifie pas la réduction au silence des parties et fonctions basses du corps. Enfin, j'en avais pris un exemple que je trouve assez savoureux. C'est, par exemple, la diversité des traitements qui ont été réservés à des illustrations du Décaméron de Boccace. Alors, ça a été un des livres qui a été le plus condamné par la censure, hein, expurgé dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Alors là, on a un lecteur qui a été particulièrement gêné, hein, par ses corps exposés. Mais inversement, ici, on a un lecteur qui a trouvé que les images méritaient un traitement, disons, plus obscène, hein, et qui en a rajouté. Donc tout ça pour dire que c'est précisément parce que la Renaissance est policée qu'elle peut devenir obscène, parce que ça ouvre de nouvelles potentialités de jouissance et d'écriture, hein, qui jouent des ambiguïtés. Un autre exemple que je pourrais fournir sur cette manière de jouer avec les interdits, alors c'est un petit détail que j'ai trouvé, alors je voulais le mentionner parce que Montaigne a joué un rôle important au Parlement de Bordeaux, c'est donc un arrêt qui explique qu'un écolier de Bayonne a été condamné à 50 écus d'amende pour avoir fait des habits à son laquais couverts de figures de membres virils et autres sales et vilaines, avec inhibition aux couturiers et tailleurs de faire semblables habits. Hein, donc là aussi, il y a cette histoire assez étonnante, hein, d'un écolier qui joue avec ses interdits. Donc, ce qui est intéressant dans ce livre, enfin, moi particulièrement, ça m'a intéressée parce que je suis aussi historienne des images, c'est l'attention que vous portez à des images qu'on voit très peu et l'analyse que vous faites notamment de planches qui sont à la fois anatomiques mais qui vont un peu au-delà de l'anatomie. Et je voulais vous montrer que l'éditeur Droz, qui ne recule devant rien, avait voulu un peu rendre compte de cette complexité des images anatomiques en proposant une couverture à surprise où nous voyons sur cette planche anatomique du début du XVIIe siècle que le sexe féminin est recouvert d'une image de diable et la languette permet de voir ce qu'elle recouvre. Mais en vrai, dans la gravure qui est conservée d'ailleurs à Bâle, c'est encore plus complexe. Je ne sais pas si vous pouvez nous montrer. Oui, je vais montrer. Oui, alors bon, il y a plein d'images qu'on pourrait solliciter. Hein. Montaigne, par exemple, a commenté le cas de la célèbre courtisane Sabina Popea, hein, qui est cette courtisane romaine qui, comme dit Montaigne, se masque les beautés de son visage que pour les renchérir à ses amants. Hein, donc c'est un voile un petit peu étonnant puisqu'il a une fonction finalement monstrative, hein. C'est aussi ce que dit Montaigne, hein. Il y a des choses qu'on cache pour les montrer. Bon, je passe là-dessus aussi sur cette... Bon, la question du voile est sensible en France, mais il y a le fameux cas du voile. Il y avait un voile qui cachait qu'un seul œil, en fait, qui a été inventé en Espagne et qui était aussi censé être un voile qui attisait le désir. Et puis, enfin, un autre phénomène que vous connaissez, c'est la mode des braguettes, hein, qui est commentée par Montaigne. Et hier, je me promenais dans les rues de Bordeaux et j'ai eu le plaisir de voir la rue Bragard. Hein. Un bragard, c'est un galant, hein, et ça vient de la même racine brague, hein, qui veut dire la culotte. Alors, pour ce qui est du pop-up que vous venez de montrer, hein, sur la couverture de mon livre, alors effectivement, ça fait partie de ce qu'on appelait des feuilles anatomiques volantes.
qui s'emparait du motif d'Adam et Ève, hein, le corps paradigmatique de l'humain, et puis surtout, dans la culture chrétienne, c'est évidemment la scène de la chute, hein, qui est fondatrice du mécanisme du plice de la pudeur. Hein. On se cache les parties génitales et puis en même temps, on les expose. Et ce qui est intéressant dans ces planches ouvrantes, c'est qu'en tant que lecteur, vous êtes placé dans le rôle du dissecteur, parce que vous devez soulever ces languettes. Hein. Et évidemment, ici, souvent, les languettes sont placées sur le sexe. Donc c'est une manière finalement d'inverser le geste d'Adam et Ève. Hein. La faute se transforme en plaisir. Et puis alors là, évidemment, cette figure de diable, on peut penser au père de l'Église, hein, qui appelait le sexe féminin la porte du diable, hein, Janua Diaboli. On peut penser à Méduse, hein, qui a des cheveux de serpent, ou encore au personnage d'Envie, parce que vous voyez que Invidia est notée, hein, sur le personnage. Hein, Envie est souvent représentée comme ça, avec des cheveux de serpent. Mais surtout, il y a un vers d'Ovide qui figure dans la cartouche sous la figure. Et ce vers d'Ovide évoque un épisode où la déesse Minerve vient rendre visite à Envie et lui demande de punir Aglauros, qui est une jeune fille trop curieuse. Hein, donc, si vous voulez, ici, toutes les références viennent en quelque sorte condamner la curiosité. Mais vous allez voir que ces dispositifs sont très complexes, parce que si vous soulevez la languette, ben là, il y a une espèce de coup de théâtre, puisque au dos de la languette, vous avez une nouvelle citation, mais qui, cette fois-ci, est tiré de l'Ancien Testament, hein, d'un livre pas très connu qui s'appelle le Sirach, et qui va bouleverser le processus de signification, parce qu'il est écrit « Ne juge pas avant que tu n'aies mené ton investigation, connais d'abord et réprimande ensuite. » Donc on voit que la sagesse biblique, ici, vient contredire le savoir antique. Enfin, l'idée, c'est un peu « il faut transgresser les interdits », et pour moi, c'est un peu une manière... finalement, d'invitation à disséquer la pudeur. Puis voilà, enfin, très rapidement, hein, je peux vous dérouler le film, enfin, vous mesurez la complexité de ce type d'objet. C'est puis qu'il en, enfin, ça, c'est l'exemplaire de Bâle, mais je crois qu'il en existe encore deux ou trois dans le monde, hein, parce que c'est extrêmement fragile. Il y a d'ailleurs plusieurs parties de l'image. Hein, ici, vous avez un ange, vous avez Dieu, vous avez le diable. Et puis, à la fin, toute guérison vient de Dieu. Hein, donc, ce sont des objets culturels extrêmement complexes, hein, dans le dialogue qui s'établissent entre iconographie et puis le texte. Alors, je crois que Montaigne joue un rôle, enfin, je suis sûre que Montaigne joue un rôle important dans ce livre, mais on peut peut-être passer au deuxième livre afin de nous garder du temps pour l'ouvrage que vous préparez sur Montaigne. Donc, le deuxième ouvrage est celui qui concerne la botanique, Quand l'esprit vient aux plantes, botanique sensible et subversion libertine. Et il est aussi question d'équivoque dans ce deuxième ouvrage qui a des liens très, très forts, hein, avec le premier, mais où là, c'est un petit peu la confusion des règnes humains, végétales et animales qui est mise en avant. Alors, tout à fait. Alors ça, c'est un des autres axes de ma recherche. Je me suis beaucoup intéressée à la pensée du vivant et notamment aux relations, hein, entre trois termes, hein, l'homme, l'animal et la plante. Hein. C'est vrai que souvent, on a eu tendance à se concentrer sur la question des rapports entre homme et animal. Et puis, je dirais que les vegetal studies sont en train de prendre un nouvel essor aujourd'hui. Dans ce livre, je me suis soudain demandé, bon alors je passe tout ceci, je me suis demandé tout d'un coup, mais qu'en est-il de la sexualité des plantes? Qu'en est-il de leur passion? Quelle est la place finalement qu'il aurait donnée entre l'animal, hein, qui représente évidemment les bas instincts, et la créature humaine qui est faite à l'image de Dieu? Et j'avais en tête ces passages de Michelet dans La Montagne qui écrit « L'arbre gémit, soupire, pleure d'une voix humaine, hein, comme s'il avait une âme ». Et j'ai essayé de voir comment la plante était pensée et rêvée au XVIe et XVIIe siècle, en m'apercevant que sous la plume des botanistes, des romanciers, des poètes, eh bien, les frontières entre flore, faune et humanité étaient brouillées, et que parfois, d'où le titre de mon livre, l'esprit et même le désir venaient aux plantes. Hein. Donc tout cela, ça bouleversait en fait...
ce type de, d'échelle des êtres. Hein, donc là, vraiment, la culture chrétienne s'est emparée de la fameuse scala naturae, hein, qui s'est inspirée d'Aristote, où on voit que l'homme est avec les pierres, vit avec les plantes, sent avec les animaux, mais il est tout seul, finalement, à penser avec Dieu. Donc c'est un système extrêmement organisé, puisqu'après... Enfin, si vous voulez, toute cette échelle correspond après avec des péchés. Hein. Enfin, au niveau de la pierre, on est dans la mélancolie. Avec les plantes, on est dans la gourmandise. Avec les animaux, on est dans la luxure. Et puis, de manière assez étonnante, il y a aussi une échelle des états mentaux. Hein. C'est-à-dire que l'écriture est placée au plus bas. Donc l'état de pierre, c'est l'état d'écriture. Après, on monte vers la parole, le concept et puis l'esprit. Donc ça peut être peut-être plus déroutant. Donc tout cela pour dire qu'il me semble que ce n'est pas seulement la mise en valeur de l'intelligence animale, mais aussi la promotion de la sensibilité et de l'intelligence végétale qui nourrit la critique de l'anthropocentrisme au XVIe siècle. Donc il peut y avoir un usage subversif du monde végétal. Et je me suis notamment intéressée à la question des langues extra-humaines, hein, enfin l'idée quel langage parlent les autres créatures. Parce que, bon, soit on peut considérer qu'elles ont des compétences égales à celles des humains. Enfin, j'aime beaucoup cet exemple. Hein, c'est un perroquet qui se trouvait à la cour du roi Henri II, lequel prononçait fort distinctement et articulement plusieurs psaumes de David en langue française. Donc voilà, ce n'est pas rien. Il sait s'occuper de textes liturgiques. Il y a aussi le cas de la fameuse mandragore, hein, la mandragore qui crie, hein, lorsqu'on l'arrache. Hein, enfin, donc il y a toute une réflexion finalement sur ces autres sons, ces autres langages. Un autre aspect de cette question, c'est l'idée que les hommes finalement ne sont pas capables de comprendre d'autres langages que les leurs. Et ça, c'est un point sur lequel a beaucoup insisté Montaigne. Je ne crois pas que j'ai mis la citation, c'est-à-dire que Montaigne va dire qu'il y a des bêtes qui n'ont pas de voix, mais qui ont quelque autre moyen de communication, c'est leur mouvement qui discourt, dit-il. Ou encore, ça aussi c'est un exemple que j'aime beaucoup, c'est dans un roman du début du XVIIe, enfin du début, qui a été écrit plus tôt mais publié plus tardivement, hein, « Les états et empires de la lune et du soleil » de Cyrano de Bergerac. Et il y a ce fameux passage où il met à l'honneur le chou intellectuel. C'est-à-dire, il pose la question de l'intelligence des choux. Alors, ça n'est pas qu'une boutade. Hein. C'est aussi une manière de critiquer Descartes et de laisser entendre que l'intellect ne suppose pas forcément l'immortalité de l'âme. Hein, parce que, comme il le dit, on coupe la tête au chou. Hein, et le chou ne ressuscite pas. Et à la fin, il écrit... si vous me demandez comment je sais que les choux ont ces belles paroles, je vous demande comment vous savez qu'ils ne les ont point et que tel, par exemple, à votre imitation, ne dise pas le soir en s'enfermant « Je suis, monsieur le chou frisé, votre très humble serviteur, chou cabu ». Enfin, voilà. Donc, on voit que ces réflexions zoocentristes se prolongent finalement en expérience de pensée phytocentriste, hein, chez Cyrano de Bergerac. Et peut-être encore un dernier mot sur Montaigne à cet égard. Alors, c'est vrai que la critique a beaucoup insisté sur les passages où Montaigne, dans l'Apologie de Raymond Sebond, essaye de montrer les connivences qu'il y a entre animaux et humains. Mais Montaigne ne s'est pas complètement désintéressé de la botanique. Et alors là, je retourne en arrière, notamment à la fin de l'essai de la cruauté. Pardon, ça me fait remonter. Voilà, dans l'essai de la cruauté, enfin, je trouve qu'il a cette réflexion magnifique. Je me permets de la lire. J'en rabats beaucoup de notre présomption et me démets volontiers de cette royauté imaginaire qu'on nous donne sur les autres créatures. Quand tout cela en serait à dire, si y a-t-il un certain respect qui nous attache et un général devoir d'humanité, non aux bêtes seulement qui ont vie et sentiment, mais aux arbres mêmes et aux plantes,
Nous devons la justice aux hommes et la grâce et la bénignité aux autres créatures qui en peuvent être capables. Il y a quelques commerces entre elles et nous et quelques obligations mutuelles. Donc, je trouve assez remarquable ce passage. Et d'ailleurs, Montaigne, à l'occasion, n'hésite pas à se représenter en arbre. Ce sera ma... Ça, c'est un passage de l'essai 8 de l'art de conférer, où il revendique le droit de parler de lui. J'ose non seulement parler de moi, mais parler seulement de moi. Et il poursuit « Je ne m'aime pas si indiscrètement et ne suis si attachée et mêlée à moi que je ne me puisse distinguer et considérer à Cartier comme un voisin, comme un arbre. » Donc, on renoue presque ici avec l'étymologie du mot « essai », parce que « essai », ça vient d'exagium, qui en latin veut dire la peser, peser une monnaie. Mais ça veut aussi dire la possibilité d'adopter un certain point de vue. Je trouve que cette capacité à se regarder comme un arbre, enfin, je vous défie de le faire, moi j'ai essayé, mais ça n'a rien d'une évidence, est une démarche de décentrement particulièrement caractéristique de Montaigne. Je retourne plus avant. Donc, Montaigne donc, a irrigué les travaux précédents. Et est-ce que c'est parce qu'il a pris de plus en plus d'importance dans ses travaux que vous en êtes venu à vouloir lui consacrer un ouvrage, ou est-ce que il y a une autre impulsion donnée à ce livre que vous préparez sur Montaigne et la médecine? Je dirais que dans mes travaux, j'essaye de problématiser doublement la notion de canon. Ce qu'on appelle le canon littéraire, c'est la quintessence des œuvres dont on estime qu'elles sont représentatives de la grandeur de notre culture. Donc, d'un côté, j'ai essayé de me tourner vers d'autres textes, comme je le disais tout à l'heure, des textes médicaux, botaniques, des marginalia ou des minores, et si vous voulez, de distendre un peu... Donc des ouvrages mineurs. Des ouvrages mineurs, pardon. C'est-à-dire de distendre un petit peu les frontières du littéraire, d'agrandir le territoire du littéraire. Ça, c'était, disons, un premier aspect de ma démarche. Puis le deuxième, c'était finalement de revisiter le canon, c'est-à-dire un auteur comme Montaigne, mais en essayant d'éclairer ma lecture finalement, la reconnaissance des liens qui l'unissent à d'autres savoirs qu'il contribue à interroger, à mettre en défaut ou même à constituer. Donc, si vous voulez, ça, c'est une autre manière de travailler sur cette question de canon. Et puis, comme j'essayais de le montrer, Montaigne m'a accompagnée durant mes différents travaux, même s'il n'est pas forcément au centre de ses ouvrages. Et pourquoi la médecine, alors, plutôt que la botanique? Enfin, ça a des liens, évidemment, mais... Parce que je pense que je suis... Enfin, on a tous notre pente, comme dit Montaigne, et celle sur laquelle je roule inévitablement, c'est quand même toujours la question un peu du corps. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment Montaigne... Le corps chez Montaigne n'est pas seulement un objet de la pensée, il est aussi un sujet de la pensée. Montaigne propose une pensée incarnée... Et du coup, ce biais de la médecine me permettait de mettre en valeur cet aspect. Et puis aussi, dans l'histoire des études montaigniennes, j'aimerais quand même rappeler que dans les années 80, André Tournon, qui nous a aussi quittés récemment et auquel je rends hommage, avait imprimé en fait un tournant juridique aux études montaigniennes, parce qu'il avait montré ce que Montaigne, magistrat, devait à ses activités au Parlement de Bordeaux. Il y a aussi beaucoup d'attention qui a été donnée à la question des rapports entre Montaigne et la philosophie sceptique, une philosophie du doute. Mais il me semble qu'à côté du droit et de la philosophie, il y a une autre discipline maîtresse au XVIe siècle, c'est la médecine, dont le rôle au sein de l'œuvre de Montaigne n'a pas été suffisamment ausculté. Et donc, dans ce nouveau projet, je voulais proposer... Enfin, je souhaiterais proposer une relecture de Montaigne à l'aune des discours et de l'anthropologie médicale. Enfin, l'idée, peut-être un peu ambitieuse, ce serait de proposer une sorte de medical turn aux études montaigniennes.
et aussi de contester un peu cette idée reçue qui veut que Montaigne détestait les médecins, détestait la médecine. On se rappelle tous de cette exclamation dans le journal de voyage. Il dit « quelle vaine chose est-ce que la médecine ?» Il critique ce qu'il appelle la trogne magistrale et rébarbative des médecins. Il se moque des patients qui ne peuvent pas vivre, je le cite, sans avoir trois médecins à leur cul. Donc on a tous peut-être ces représentations à l'esprit, mais en réalité, il dialogue de manière beaucoup plus subtile avec les concepts des médecins. Et je voulais un peu interroger ces déplacements, ces gauchissements, les subversions qu'il fait subir à des éléments doctrinaux, mais aussi formels. Et vous vous intéressez aussi à Montaigne comme, sujet de médecins postérieurs. Vous vous interrogez sur les diagnostics qui ont été posés sur Montaigne, qui effectivement était très souffrant, et on sait que la souffrance joue un rôle dans l'écriture des essais. Bah, c'est vrai qu'il y a en fait deux aspects dans cette enquête, à la fois ce que Montaigne dit et fait de la médecine, mais aussi ce que les médecins ont fait et dit de Montaigne, du XVIIe siècle, où il y a un Hollandais qui s'appelle Beverwijck qui a écrit une réfutatio contre Montaigne, jusqu'à Jean Starobinski, je ne sais pas si vous connaissez son nom, qui est un grand critique littéraire, mais qui était aussi médecin. D'ailleurs, si on pense à la Société des Amis de Montaigne, je rappelle que celui qui en a posé les fondements, c'était le docteur Armingaud. C'était en fait un médecin, et elle avait pour président Anatole France. Donc il y avait déjà cette alliance entre littérature et médecine. Et puis ensuite, c'est le docteur Payen qui a pris la relève. Mais pour la question des diagnostics, alors c'est vrai que Montaigne, il est vraiment devenu la victime des pathographes. Les pathographes, c'est-à-dire c'est tous ces écrivains qui étaient des adeptes de l'approche qu'on appelait alors psychopathologique de l'artiste. C'est un neurologue allemand qui s'appelle Moebius qui, à la fin du 19e siècle, a proposé des biographies médicales des grands auteurs. Donc, il a écrit une biographie de Goethe, il a écrit une biographie de Nietzsche, de Rousseau, en utilisant la notion de dégénéré supérieur. Et puis, sur ces traces, il y a toute une nébuleuse de médecins lettrés qui vont s'employer à disputer du cas Montaigne. Alors là, ça devient extrêmement amusant parce que Montaigne s'est beaucoup moqué des médecins parce que, comme il le disait, quand il y a 20 consultations, il n'y a pas un médecin qui est d'accord. Et c'est exactement la même chose pour les différents diagnostics qui étaient posés sur Montaigne. Enfin, j'ai relevé quelques termes. Donc, ce sont tous des médecins. Donc, Merleau-Ponty qualifie Montaigne de neurasthénique organique. Paul Vivier l'appelle géocathodique. Ne me demandez pas exactement ce que c'est. Pour le professeur Cruchet, il est un obsédé. Pour le professeur Landouzi, il est un hypochondriaque. Du coup, le docteur Armingaud s'énerve et il dit « Serait-il possible que Montaigne, ce grand maître de la sagesse humaine, ait été lui-même un déséquilibré, un désorienté, un obsédé ?» etc. Hein, donc on pourrait mobiliser plein d'exemples. Et il y a d'ailleurs eu non seulement des disputes sur finalement la nature de la maladie de Montaigne, mais aussi sur certaines de ses maladies. Pour revenir à Sur des vers de Virgile, Montaigne fait mention de sa lésion énormissime. Alors, quid de cette lésion énormissime? Alors, certains médecins vont dire il s'agit d'une hernie, et d'autres vont dire non, il s'agit d'impuissance. Et de fait, les réflexions de Montaigne sur l'impuissance vont connaître une très très longue fortune. Dans l'encyclopédie de Diderot, l'article Ligature reprend reprend une énorme partie du texte de Montaigne. Et est-ce qu'il n'y a pas quand même des médecins de son temps qui trouvent grâce à ses yeux, ou des textes de médecins de son temps qui l'ont inspiré? Alors, je répondrai en deux temps. Alors, d'une part, Montaigne a quand même trouvé grâce aux yeux de certains médecins, parce que je tiens quand même à dire qu'à côté de tous ces jugements, qui portent d'ailleurs non seulement sur l'homme, mais aussi sur l'œuvre, hein, parce qu'on n'a pas diagnostiqué seulement l'homme, mais aussi le style même des essais.
C'est-à-dire qu'on a lu l'œuvre comme étant le symptôme de ses maladies. Hein, le caractère décousu de ses idées, ben, ça devient une manifestation de sa mélancolie, etc. Mais il y a eu aussi une interprétation extrêmement élogieuse de Montaigne, parce que Montaigne devient un moderne au milieu de l'obscurantisme de ses contemporains. Donc on le recatégorise comme auteur scientifique éclairé au milieu de la science de son temps complètement barbare et retardée. Donc il y avait un médecin qui s'appelle Maurice Kress et qui a, je crois, délivré un doctorat honoris causa en médecine à Montaigne. C'était quand, ça? J'ai noté ça, c'était plus ou moins en 1933, je crois. C'était lors du 4e centenaire de sa naissance. Ouais. Donc l'idée, c'est au fond que Montaigne aurait été un esprit éclairé et qu'il aurait ouvert la voie royale au triomphe de la science moderne. Hein, donc ça, c'est aussi une forme de récupération qu'on a faite de Montaigne. Ah, maintenant, en ce qui concerne à cet égard, j'avais juste cette citation qui vient d'un dictionnaire médical des essais. Alors, c'est un livre complètement aberrant, puisque c'est une espèce d'encyclopédie médicale. Et ce qui me frappe, c'est que ce docteur Spalikowski conclut en disant « C'est donc un ouvrage de science et non de littérature que je présente au public. » En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il découpe des morceaux des essais. Hein, par exemple, même l'extrait sur la torpille que je vous avais montré tout à l'heure figure dans ce texte. L'autre question, c'était est-ce qu'il a eu des liens avec des médecins qui l'ont influencé ou qui ont attiré en tout cas son intérêt. Il y a un cas qui me semble tout particulièrement intéressant, c'est-à-dire qu'il y a un médecin qui a publié chez le même éditeur que Montaigne, hein, c'est-à-dire Milange. Un médecin qui venait de Montpellier, qui était un professeur de médecine dans la prestigieuse faculté de Montpellier, il vient à Bordeaux et il publie un traité des erreurs populaires. C'est-à-dire, c'est un traité où il entend corriger les erreurs du vulgaire en matière de santé, et plus particulièrement en matière d'obstétrique et de gynécologie. C'est un texte important parce qu'il va connaître un énorme succès. Et c'est un texte aussi assez sulfureux, parce qu'évidemment, il aborde ces questions délicates. Donc, ce traité qui voulait dénoncer les erreurs du populaire, eh bien, il va à son tour être critiqué et requalifié comme « erreur d'un médecin qui livre au tout venant les secrets de sa profession ». Et évidemment, gros problème en français. Alors, on sait que Montaigne connaissait ce texte parce que il discute certains des remèdes proposés par Laurent Joubert, notamment contre la pierre des reins. Mais surtout, Montaigne va récupérer cette idée d'erreur populaire. Le traité de Joubert, donc, qui a été attaqué par un autre médecin. Et Montaigne est intéressé par cette notion, hein, donc dans « Déménager sa volonté ». Donc, il parle cette fois-ci, évidemment, dans un tout autre contexte, du contexte des guerres de religion. Hein. « J'ai vu de mon temps merveille en l'indiscrète et prodigieuse facilité des peuples à se laisser mener et manier la créance et l'espérance où il a plu et servi à leur chef. » Puis un peu plus loin, il précise « Par où je m'avise que c'est une qualité inséparable des erreurs populaires. » Donc on voit qu'il y a une forme de transplantation de cette notion d'erreur populaire du domaine médical au domaine politico-religieux. Une transplantation qui se poursuit d'ailleurs toujours dans le catalogue des éditions de Milange avec l'erreur populaire de la papesse Jeanne. Alors ça, c'est un ouvrage de Florimond de Raymond, qui était un ami de Montaigne. Hein. Vous savez, on pensait qu'il y avait eu une papesse. Hein, et il dénonce ceci comme une erreur populaire. Et il fait d'ailleurs référence à Montaigne. Donc tout ça pour dire que c'est un dossier assez intéressant parce qu'on voit que entre la fin des années 1570 et 1580, Bordeaux se présente vraiment comme le lieu de production et de transfert éditorial de la notion d'erreur populaire, en fait. Voilà, donc ça pourrait être un exemple. Et est-ce que
Est-ce que vous pourriez... Parce que vous disiez qu'il fallait nuancer l'idée que Montaigne se moquait des médecins et de la médecine de son temps. Qu'est-ce qu'il retient finalement de la médecine de son temps? Ou pourquoi ne la... quels sont ses arguments pour ne pas l'écarter tout à fait? Alors, il faut toujours faire la distinction entre parfois les position que revendique Montaigne et ce qu'il fait vraiment, parce que on voit bien qu'il prend des médicaments, qu'il consulte les médecins, donc c'est pas un rejet total, mais c'est, je dirais que c'est plutôt une espèce de mouvement d'adhésion et de rejet. Il retient par exemple l'intérêt du thermalisme, mais ce qu'il va défaire, c'est la relation de cause à effet. C'est-à-dire qu'il ne croit pas une seconde que parce que vous prenez ce médicament, il va avoir tel effet. Et pour lui, la guérison peut être le fait d'une vieille sorcière, du hasard ou d'un médecin. Tout peut arriver. Enfin, je crois qu'il restitue vraiment une force très grande à cette notion de hasard qui empêche finalement de consolider le lien, un lien nécessaire et suffisant entre une prescription et puis... une guérison. Il y a par exemple cet exemple célèbre de Jason Ferréus. Donc Jason Ferréus a une espèce d'abcès qu'il n'arrive pas à guérir. Il se jette dans la bataille en espérant mourir. Il reçoit une lance dans son abcès, ça perce l'abcès et il guérit. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cet exemple, Montaigne va dire qu'il en est de même pour la guérison du corps que pour la réussite esthétique. Il fait le parallèle parce qu'il prend à ce moment-là le cas de ce peintre de l'Antiquité qui n'arrivait pas à représenter correctement la bave d'un chien. De rage, il jette son éponge et du coup, il obtient finalement une réussite. Et Montaigne écrit « Ce que l'art n'avait pu parfaire, la fortune l'a pu ». Mais alors, est-ce que c'est finalement l'idée de confiance dans la médecine qui lui pose le plus de problèmes? Est-ce que c'est ce lien de c'est l'idée qu'on serait sûr, qu'on serait confiant dans la médecine qu'il faut Tout à fait. Oui, il essaie de travailler sur effectivement une confiance trop vite donnée en le pouvoir du médecin. Tout à fait. Et il dit des fois les remèdes d'une vieille bonne femme peuvent être plus efficaces. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire quand est-ce que vous... Juste encore sur ce plan, il faut voir que Montaigne écrit alors que le marché médical est traversé de conflits intestins très importants. Hein. Les médecins livrent des batailles intenses contre les charlatans. Ils essaient aussi tout le temps de réaffirmer leur pouvoir par rapport aux professions paramédicales. Hein. Le livre de Joubert dont je vous parlais tout à l'heure, c'est évidemment un livre dont la cible implicite, ce sont les sages-femmes. C'est une manière de dire, moi, le médecin, c'est moi qui connais le mieux le savoir sur le corps des femmes. Mais Montaigne, lui, il s'amuse à renvoyer tout le monde dos à dos, en fait. Mais en même temps, on ne peut pas se passer des médecins. Il se pense à travers leur catégorie, mais c'est une pensée qui est évidemment critique. Où est-ce que vous en êtes de l'écriture de ce livre? Question toujours qu'on n'aime pas tellement qu'on pose, mais... J'avance à saut et à gambade, mais disons idéalement, j'espère qu'à la fin de l'été, j'aurai une première version du manuscrit. D'accord. Donc puisque vous êtes donc plutôt proche de la fin de l'écriture, finalement, qu'est-ce que si vous deviez donner un petit peu quelques enseignements, peut-être méthodologiques aussi, en quoi ça vous a fait avancer dans vos propres recherches, ou quelles pistes ça ouvre désormais pour vous, cette traversée de Montaigne et la médecine? Cette enquête sur la médecine m'a permis finalement d'aborder des domaines que j'avais jamais associés à Montaigne, par exemple la question de la gymnastique,
parce qu'il y a toute une tradition de gymnastique médicale hein, qui existe au XVIe siècle, ce qui a d'ailleurs motivé l'événement qu'on a organisé au jeu de paume, puisque finalement c'est une discipline du corps, hein, ce que Montaigne appelle la culture du corps, ou alors même la question de la musique, en fait. Parce que réfléchir au rapport de Montaigne à la maladie au médecin, c'est réfléchir aussi à la question de la temporalité. La temporalité de la maladie, la temporalité de l'écriture qui va rendre compte de la maladie, et puis la question aussi du rythme vital de sa prose, en fait. En tout cas, moi, ça m'a ouverte sur d'autres aspects. Ça m'a permis d'éclairer de manière différente ce texte. Hein. Enfin, j'espère en tout cas ne pas totalement m'égarer. Oui, vous vouliez nous... Oui, alors, bon, c'est lors de ce mois Montaigne, j'avais déjà eu l'occasion de produire cette citation que je voulais vous montrer de manière conclusive. Simplement pour... je ne sais pas si elle figure. Oui, tout à fait. Pour répondre à votre question, c'est-à-dire que, évidemment, penser à la question de la médecine, c'est penser à toute la question de la thérapie du corps, mais aussi à la thérapie de l'âme, hein, puisque les deux sont intimement liés. Et il me semble que cette coïncidence, elle est particulièrement visible dans ce mot de pensée qui, au XVIe siècle, peut s'écrire avec un A et un E et peut signifier les deux choses, hein, le sens cognitif, intellectuel ou penser une plaie, mettre une compresse, et dans le cas de Montaigne, aux idées toutes faites. Et voilà ce qu'il écrit. Si nous ne commençons de bonne heure à nous penser, quand aurons-nous pourvu à tant de plaies et à tant de maux? Si avons-nous une très douce médecine que la philosophie? Car des autres, on n'en sent le plaisir qu'après la guérison. Celle-ci plaît et guérit ensemble. Et ça m'évoque aussi l'idée de médecine voluptueuse hein, que Montaigne évoque dans le fameux essai de l'expérience. Mais c'est une volupté qui peut se trouver même dans le corps malade. Hein. C'est ça qui est intéressant.